Siegfried revient à l'Opéra de Paris. Philippe Taglioni en avait écrit en 1932 la chorégraphie pour sa fille, la très célèbre Maria Taglioni. Premier grand ballet blanc qui voit la consécration des pointes et l'apparition du tutu romantique, la sylphide, techniquement trop difficile, avait disparu du répertoire. En 1971, Pierre Lacote retrouve les décors et costumes originaux du ballet de Taglioni, reconstitue la chorégraphie d'après des notes de l'époque et ressuscite le ballet avec toutes ses difficultés techniques pour la télévision.